Dans Benelu, vous avez également accès à une fonctionnalité blog. Il s'agit d'un journal tenu à jour par l'enseignant de vos enfants qui vous indique les différentes activités pratiquées par vos enfants. En l'espèce, vous avez un petit texte avec quelques photos, la visite de la classe de votre enfant, par exemple au monument aux morts, en ce qui concerne cet article. Mais les enseignants ont la capacité de rajouter finalement un certain nombre d'articles qui vous détaillent la vie de votre enfant au fur et à mesure de la progression dans sa scolarité. Donc là, c'est le seul enregistrement qu'on ait à notre disposition, mais au fur et à mesure du temps, l'enseignant de votre enfant va faire vivre ce blog et rajouter des photos, des contenus textes et un certain nombre de choses pour vous raconter un petit peu ce que votre enfant fait en classe chaque jour. Voilà, vous trouvez donc ça dans le petit menu blog que vous trouvez ici en bas. Une autre fonctionnalité assez intéressante, c'est le calendrier. Dans le calendrier, qui est rempli lui aussi par l'enseignant, vous allez trouver pour la classe de votre enfant, ou les classes de vos enfants si vous en avez plusieurs, les différents événements qui sont rajoutés. Vous voyez qu'ici, on a le conseil des délégués qui a lieu à 12h40 le mardi 20 novembre. Eh bien, les enseignants ou la directrice vont alimenter ce calendrier de manière à ce que vous puissiez facilement retrouver toutes les informations concernant la vie de votre enfant dans cette interface. Voilà. Une fonctionnalité également intéressante, c'est le carnet de liaison. Le carnet de liaison, ça reprend en fait l'ensemble des messages que vous avez reçus et qui étaient rappelés dans les notifications. Les notifications, c'est l'endroit où vous avez une alerte en vous disant « Attention, vous avez quelque chose à signer dans le carnet de liaison. » Et vous allez dans le carnet de liaison ou directement depuis les notifications pour y avoir accès. Donc là, on va passer par le carnet de liaison. J'ai donc un message de l'enseignante vers moi qui m'indique des modalités de changement de formation et puis un message qui m'indique les portes ouvertes de collège. Et lorsque je signe le message ici, j'accuse réception à l'école, à l'enseignant, de la bonne réception de ce message. Voilà, tout simplement. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres tutos.